Let's go. On se retrouve aujourd'hui avec la combinaison de la marque Billabong et son modèle Révolution Pro Series en 3-2. Pour ma part, pour cette combinaison, je retrouve une taille M. Donc, sur un premier abord, une combinaison assez sobre, des petites couleurs assez classe, un peu couleur militaire. On peut remarquer sur tout l'ensemble de la combinaison extérieure des coutures classiques, donc qui vont durer dans le temps. Un zip, un front zip, donc c'est assez cool parce que ça limitera l'entrée d'eau sur la combinaison. À l'intérieur de la combinaison, on retrouve des coutures cousues-collées, donc ce qui évitera toutes les irritations ainsi que les entrées d'eau, donc vraiment ne pas négliger pour une bonne combinaison. Et ça a l'air d'être vraiment une combinaison confortable. Pas de moumoute à l'intérieur de cette combinaison, donc on va voir ce que ça donne durant les longues sessions. Concernant le stretch de cette combinaison, là franchement rien à dire, une combinaison super souple. Concernant la note de cette combinaison, je vais lui attribuer la note de 4 sur 5. Pour cette combinaison Billabong, c'est vraiment une combinaison super agréable à porter. Une souplesse au niveau du haut du corps, ainsi que des entrejambes. Donc je vais lui attribuer la note de 4,5 sur 5. Let's go. Donc pour cette combinaison Billabong, une bonne combinaison qui tient très chaud, très très souple partout au niveau du haut du corps, du bas du corps. Seul bémol, j'ai trouvé qu'il y a eu des infiltrations au niveau des avant-bras ainsi qu'au niveau du zip. C'est les petits problèmes que j'ai ressentis à la mise à l'eau ainsi que dans les canards avec cette combinaison. Pour cette combinaison, je vais lui attribuer la note de 3,5 sur 5. Le prix de cette combinaison est à 290 euros. Donc c'est un prix qui équivaut vraiment à cette combinaison. C'est une combinaison bien fitée, donc ça vaut son prix. Let's go.